C'est Venuni Azilar, plus connu sous le pseudo de Canal, je suis artiste. Alors ce soir, c'est la première fois que je participais à un TEDx. J'ai suivi beaucoup de vidéos en ligne et pour cette première édition, pour ma première édition, j'ai adoré. Je pense que pour transformer une société, pour innover, il faut pouvoir s'inspirer des expériences de gens qui nous sont proches, de gens auxquels on puisse s'identifier. Et les histoires qui ont été racontées, les expériences qui ont été partagées, les visions ou les échanges qu'ils ont eu, je pense qu'ils m'ont enrichi, ils m'ont permis de comprendre qu'en fait, tout était possible tant qu'on se donne la peine de vouloir rêver grand. Félicitations à toute l'équipe, à toute cette jeune équipe du TEDx Tokwa. Je leur souhaite longue vie, tout simplement, et encore plus d'expérience pour enrichir cette jeunesse togolaise qui n'a soif que de ces repères-là pour pouvoir avancer. Bonsoir, moi c'est Pierre Junior Gavi. C'est ma première participation au TEDx Tokwa. J'ai pratiquement aimé tous les intervenants, tous les speakers. Ils ont vraiment partagé leur expérience et j'ai vraiment découvert qu'il y avait vraiment du potentiel, qu'il y avait de la créativité, qu'il y avait des jeunes qui bougeaient, qui ne cessent d'innover, qui ne cessent de se battre, d'aller de l'avant pour réaliser leurs rêves, pour créer un monde nouveau, un monde où voilà, tout est possible. Donc je tiens sincèrement à remercier les organisateurs pour cette opportunité de venir et d'écouter des personnes qui nous inspirent, partager leur expérience et nous mettre au contact direct de leur vécu. Merci beaucoup. Hello. Alors, je suis très honoré et heureux d'avoir été le MC de cette troisième édition de TEDx Tokwa. C'était une belle édition, une très belle expérience qui, je l'espère, va se perpétuer et va se réitérer pour l'année prochaine et pour les années à venir. Bonjour, moi c'est Duji Adodo, chargé speaker de la conférence TEDx Tokwa. Donc, on vient juste de terminer d'organiser notre troisième édition qui s'est passée très bien. On a pu remplir la salle avec 200 participants. Et donc, ça s'est bien terminé avec des speeches de conférenciers qui sont venus de partout. On a eu 5 speakers qui sont venus de Côte d'Ivoire, par exemple, 2 qui sont venus de France et d'autres qui sont venus un peu partout. Et donc, qui ont partagé un peu leurs expériences et leurs connaissances. Et donc, sur des sujets variés, allant de l'éducation financière à l'importance des nouvelles technologies, ce que c'est les réseaux sociaux. D'autres qui ont parlé aussi de l'importance de redéfinir ce que c'est la masculinité ou encore l'importance de la complémentarité du genre. Et donc à travers tous ces speeches-là, ils ont su inspirer un peu l'audience et apporter des éléments qui vont faire réfléchir un peu tous ceux qui ont participé à cette édition. Et on espère que c'est la troisième édition, mais ça sera la troisième, donc énormément de prochaines éditions, on espère, qui vont continuer bien longtemps. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu rehausser le niveau à chaque année. On espère, c'est les participants qui nous diront, mais on espère que ça a été fait cette année et qu'on continuera de force en force dans les années à venir.